Découvrez l'astuce pour signer un chèque ou un document officiel sans sortir du cadre lorsqu'on est malvoyant. Vous pouvez l'utiliser du côté droit comme du côté gauche de votre feuille, inscrire la date par exemple, et il est notamment pratique pour écrire de petites informations sans que l'écriture soit penchée. Et en plus de ça, vous pouvez l'emporter partout avec vous.